Ils ont coupé les... À la Révolution, ils ont coupé les têtes. Comme toujours. Les murs peuvent s'écrouler, la charpente, elle va rester. Il est sympa, hein. On peut pas faire ça à fond, hein. Là, c'est mouillé, par contre. Alors, c'est le moulin à Quenu, ça. Je pensais que t'allais pas venir. On arrive où, au moulin? Moulin Cugno. Ouais. Allez. Bon, c'est vrai que la passerelle est marrante à faire. Eh, hey, Guédelon, pour rester trop près, parce qu'elle va me grimper dessus. Moi j'ai marqué, enfin, ça pourrait être le moulin de Guédelon. Ah, mais moi c'est marqué quoi? Ça ressemble plus à une chapelle qu'un moulin. Non, c'est marqué le moulin, et Jackie, c'est ça, le moulin, c'est marqué. Mais c'est joli ça. En faisant le tour de cette fameuse chapelle, on s'aperçoit vite que le bâtiment est bien plus imposant. Bon, ben, on va explorer ces lieux. Visite. Ah, c'est chouette, hein. L'évier. Et même des poteries, hein. C'est une brouette. Ah, c'est chouette, hein. J'ai pas de mots. Des pots de mou. Magnifique. Oh, c'est chouette. Magnifique.
Eh, c'est un monastère, ça. Bah oui, hein? Il appelle ça moulin. Ouais, bah oui, c'est peut-être un moulin quand même, hein. Si les moines... Et t'as vu la rue? Magnifique. Des rats, des belettes ou des regardes, des sculptures. Lors de notre exploration, nous ne serions sans doute pas surpris de croiser un moine. Oula, c'est Benoît. Ça y est, on est repéré. C'est Benoît qui sonne. Il donc a sonné. Oui. Une triple buse. On a envoyé les gardiens. Il est content de lui. Et regarde les marteaux des tailleurs de pierre. Hein, c'est des artistes qui viennent sculpter. Ouais. Là. Ouais. T'as vu les coquilles. Ah, c'est marrant. Ah oui, j'ai vu une corde. Hein? T'as sonné où? D'abord. Bon, c'est un peu sombre, mais... En attendant, on est à l'abri, hein? Ouais. On aurait pu manger là, ouais. Ouais, ça va passer. T'as vu le bougeoir? Ouais. C'est rustique aussi, ça. Mais t'as vu la sculpture ouais. Là-haut? C'est pas me casser la gueule, l'escalier est assez. On appelle ça une échelle de menuiserie d'ailleurs. Oh putain! Ils avaient des petits pieds, hein. Bon, le 47 il passe pas. Je mets ma main pour montrer la taille. De Jean-Baptiste, là, à une barre de toile. Sans blague. Ouais. C'est peut-être, ça s'appelle... C'est un peu sombre. Les envoyés de Jean-Baptiste. Oh, ben voilà. Les disciples de Jésus. Oh ben, j'arrive pas à lire, c'est trop compliqué. J'ai découvert une erreur dans le texte. Jugez plutôt. Les envoyés de Jean-Baptiste. Nous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Ça, c'est vrai. Nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Peut-être. Car Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas de pain. Ah bon? Et ne boit pas de vin. Nom de Dieu. Et vous dites, il est possédé d'un esprit mauvais. Oulololo. Ah ben c'est par là qu'on est rentré. Ah oui. Ah oui. En fait, regarde, t'as la cheminée au milieu. Ouais, c'est étonnant. Regarde. Voilà. On voit qu'il pleut. Et voilà comment se finit le voyage dans le temps au moulin de Guédelon. Les arbres quand ils sont taillés là. Ça c'est pas, c'est des charmes d'ailleurs. Ils l'étaient taillés, ils le sont plus. Il y a un petit château sympa là, Lyon. Au revoir.
jungle. Ouais, là, vaut mieux passer dessous. Hein. Là, il y a de la. Il y a un peu de flotte. Hein. Ça risque de gauger. Là. J'espère pas, mais. Il faut trouver le bon endroit. Ça, pour pas s'enfoncer. Aïe. Bah, que si à Jackie, j'ai rien senti. Il bah, y a une ronce en travers. Elle m'a pris la main droite d'abord. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Le soleil arrive. Le soleil. Hein ? Impeccable, hein ? Bon, ça a l'air d'aller. Voilà, donc là on va rattraper ton circuit là. Là il m'a donné le chemin pour y retourner, il m'a indiqué. On peine la maison. Tu as passé là? Jackie est attiré par un tracteur et il découvre que ce tracteur est roumain. Eh, t'as vu, ils ont tendu autour du Kangoo. Là. Oui. On se croirait, je sais pas où là. Bon, je laisse les 7 nains, tu sais. Je contemple mon verre, déçu de ne pas avoir un certain nectar à mettre dedans. Ah, c'est sympa, là. Pas en vacances, là. Sur la plume, là, j'ai une...
Ah oui, c'est pour ça que ça passe. Donc, où est-ce que je vais passer? À gauche? Ah, oh, ça patine même pas. Ça patine pas mis toutes les dents. Non, même pas. Là, il peut pas passer de là, là. À moins de prendre de l'élan. Ouais. Ou alors faut qu'il attende la marée haute, non? Qu'est-ce que c'est que ces boîtes à œufs? Des pierres juste après. C'est ça le souci. Vous remarquerez un tremblement excessif et inhabituel, annonciateur d'une future casse du support de la caméra. Donc là, c'est la digue. Hé, Jackie, en vélo, ça te marrant à descendre dans l'herbe là, avec les bosses. On découvre un terrain d'aviation au milieu de nulle part, ou plutôt au milieu de la nature. Et il y a deux corbeaux qui ont atterri au bout de la piste. Oui, puis ça te ralentit. En prenant de l'élan, on décolle, c'est ça? On commence à y avoir des insectes. Tu l'as planté dedans? Alors tu vois là, un bout de zan. Il a roulé sur un tournevis. Tiens, ah oui, c'est vraiment pour. Ouais, c'est pour faciliter le. Parce que... Non, mais c'est bon là. C'est bon? Oui. Mais voilà, si la fente est comme ça, tu te mets dans le centre de la fente. Ça rentre bien. Ah putain, mais... Faut forcer, oui. Ouais. J'ai transpercé la jante, là. Ça y est. Encore un peu plus, hein. Ouais, là, tu fais quart de tour, et puis tu tires, tu sors. Voilà. C'est bon, là? Ouais. Un bout de jante qui dépasse. Et puis tu coupes, avec un couteau, faut couper. D'accord. Faut couper. Un couteau? Ben, je l'ai rangé. Ah, merde. Non, ça fait rien, je couperai, de toute façon. Oui, oui. J'ai un crampon de plus, dis donc. Une drôle d'épine. Donc faut le couper un peu pas, comme un crampon trop. Ouais, pas trop hard quand même. Ah oui, pas trop hard, bah non, parce que là... Ça va rentrer à nouveau. Parce que quand tu vas rouler, ça risque de... Un poil de plus, même. Oh, ouais, quand même. Comme ça? Ouais. Non, ça va faire une... Comme ça, c'est bien? Ouais. Bon, j'espère que ça va marcher. Hein. Oh, ouais, c'est bon. Merci. Ah si, tu peux regarder de plus près si ça... Non mais ça, moi je pensais pas du tout à ça. Je savais pas que t'avais ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce que en voiture on se voilà. Dépanne sans ouais, t'as problème pu. Avec ça. Je roule dans l'eau pour voir si ça fait des bulles. C'est que ce truc. C'est que ce con là. Thank you.
bois est pas pourri, là. Ça me tirait. Magnifique. Bon. Il y a même trois grébupés. Oui. Les moustiques, on les voit à la caméra, c'est pas possible. Là, on appelle rupture de la caméra. Voilà. J'ai cassé le support. Putain, je casse tout aujourd'hui, là. Je casse tout. Je viens de casser le support de la caméra dans la descente. Oh là 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 là. Bon. Et voilà, contraint et forcé d'arrêter de filmer, voici comment se termine la vidéo, dans la brisée. Vélo, tout terrain.